Avec vous pour une nouvelle vidéo sur un thème un peu plus léger, bien que tout de même mystérieux. Il s'agit donc du décès de la princesse Lady Diana sous le pont de l'Alma à Paris. Je vous propose d'effectuer un tirage pour les circonstances de cet accident qui sont toujours restées plus ou moins bien éclairées. Et nous allons effectuer un premier jeu avec le Résilio. J'espère que vous allez tous bien en ce début de week-end, puisque je tourne cette vidéo en début du grand week-end du 14 juillet. En effet, je vais devoir chercher une activité professionnelle et oui, effectivement, il faut que je puisse subvenir à mes besoins et j'aurai peut-être moins le temps de procéder à des tirages réguliers. Donc, j'essaye d'en produire quelques-uns par avance parce que j'adore, j'aime beaucoup votre présence, votre gentillesse. Vraiment, je suis ravie et très touchée par votre soutien, par tous les messages, vraiment d'une... Ça me touche vraiment beaucoup, j'en perds mes mots et je ne m'attendais vraiment pas à ça en partageant ma passion. Je suis ravie que ce que je vous propose vous convienne. N'hésitez pas, je vois que certaines personnes me donnent des conseils. Alors parfois, je réponds un petit peu sur le ton de l'ironie, comme ça peut m'être reproché quand il y a des choses qui me sont reprochées de manière peu diplomate. Mais bien entendu, j'accepte toute critique pour m'améliorer et bien entendu aussi, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, je suis à votre disposition. Allez, nous allons en revenir donc à ce qui a pu se passer le jour du décès de Lady Di. Donc j'ai une première carte qui est tombée, nous sommes face à une situation inextricable. Nous sommes face à quelque chose dû à la fatalité qui ne peut pas avancer. Pourquoi ? Bien parce que nous sommes face à un fauteuil qui devrait pouvoir escalader des marches. A priori, voilà la grande difficulté. Alors, le gros côté de cœur de Lady Diana pouvait représenter un gros obstacle vis-à-vis de ses pairs au niveau de la couronne royale. On nous montre ici quelqu'un qui était face à quelque chose qu'elle ne pouvait éviter et qui ne pouvait pas malheureusement aboutir en l'état. On me montre ici une carte qui indique tout simplement la personne qui est accidentée, plus exactement qui est en panne, une personne qui fait du stop. Donc pour moi, au moment de ces accidents, nous étions vraiment sur une personne qui était à l'arrêt dans sa vie, qui avait fait appel peut-être à de l'aide, à du soutien, par rapport à une situation qui ne lui convenait plus et qui la rendait malheureuse, où elle se sentait seule et accidentée, seule et en panne dans sa prise de décision. On nous donne un peu d'informations sur ce que pouvait ressentir en fait cette princesse au moment où malheureusement cet accident a eu lieu. Deux autres cartes viennent de s'extraire, nous avons celle-ci. Celle-ci qui indique qu'une situation se referme, qu'on est pris au piège, qu'on se sent tout petit face à ce qui nous écrase. Donc là encore, on nous explique très clairement que la situation pour eux était vouée à l'échec et qu'ils ne... Alors ils ont tenté peut-être par le passé d'échapper à des choses, mais que cela n'a pas pu être fait ce jour-là.
On nous montre aussi cette deuxième carte, une chorale, avec beaucoup de difficultés à... Difficultés, non, avec beaucoup de diversité à l'intérieur, hommes, femmes, tout style de provenance, d'origine, de couleur, de cheveux, voilà, mais qui chantent dans un même chœur. Donc ça serait la version qu'on nous a donnée par rapport à cet accident. On nous a chanté quelque chose, on nous a raconté quelque chose où tout le monde s'est mis d'accord. Donc on apprend vraiment que les circonstances n'étaient pas du tout celles qu'on nous a avouées. La carte-ci arrive donc, alors ça aurait pu être une carte dont on aurait pu parler il y a quelque temps, et pourtant ça ne représente pas la fameuse maladie pandémique. Pas du tout. Ici, nous apprenons que nous étions dans une situation de contrôle. Une situation, alors il y a beaucoup de monde hein, sur cette carte, on voit une foule qui peut représenter toutes les personnes qui étaient, qui suivaient les allers-retours et tout ce qui se passait au niveau de ce couple que Dodi Alfayed et Lady Di commençaient à médiatiser. Donc on nous indique ici que potentiellement ils se sentaient étouffés par la situation. Ils avaient du mal à s'en sortir, c'était pas vraiment ce qu'ils souhaitaient. Par ailleurs, cette carte-ci vient compléter la notion de couple. On s'adresse bien au couple. Le couple avait besoin et était sur un bateau. Quelque temps avant son décès, on a eu beaucoup de photos dans la presse People qui montraient Dodi Alfayed et Lady Di sur un bateau, donc comme sur cette carte, et qui regardent l'horizon avec peut-être une volonté pardon, de s'évader. Cette carte enfin représente un homme qui donne la parole à une femme avec de la liesse derrière, des gens heureux. On peut constater que Lady Di était bien plus épanouie, effectivement, depuis qu'elle était avec ce nouveau conjoint. Elle avait un nouveau rôle médiatique qui pouvait déplaire à la couronne, mais qu'elle menait avec brio. C'est une femme qui était vraiment aimée, suivie et appréciée du public. Elle faisait beaucoup de choses pour le peuple, pour ceux qui ne la connaissent pas et pour les personnes les plus démunies. C'est vraiment la reine des cœurs, la princesse des cœurs. On voit ici qu'il y a eu un complot, quelque chose qui s'est joué entre plusieurs personnes de manière secrète. On peut penser donc au fameux accident pardon, où on nous disait que la voiture n'était pas une voiture fiable, qu'elle n'avait pas été entretenue. On nous a aussi parlé d'un potentiel taux d'alcool trop important dans le sang du chauffeur. On nous a parlé de commanditer un meurtre de la part des instances royales Angleterre. Donc, on nous a dit beaucoup de choses là-dessus. Mais la théorie du complot ne paraît pas forcément stupide, puisque nous avons aussi appris que la garde n'était plus effectuée autour de la princesse et qu'elle était seule pour assurer sa sécurité. Donc, si je résume, pour l'instant, nous apprenons qu'il y aurait potentiellement eu quelque chose de programmé. Et en tout cas, quelque chose que Dodi et Diana auraient ressenti ce fameux jour. Cette carte vient en complément et nous montre l'adversité, le poids, la difficulté et de tenir bon face à la difficulté. On sait que cette princesse avait vraiment eu du mal à obtenir son indépendance. Le divorce avait quand même été consenti pour la première fois au niveau du règne d'Angleterre, ce qui était un déshonneur certainement pour le roi Charles, mais quelque chose de salutaire pour lui, puisqu'aujourd'hui il a pu se marier avec la femme visiblement qu'il avait ambitionnée depuis le départ. On nous montre ici que c'était ciblé. Donc l'attaque était vraiment ciblée et ce n'est pas un hasard, ce n'est vraiment pas un accident. Est-ce qu'on pourrait nous donner un peu d'indication peut-être sur le but de cet accident, sur pourquoi, quelle était l'utilité? Alors, nous sommes ici face au mental de quelqu'un et au mental fort de quelqu'un. Donc, l'utilité, à mon avis, en faisant disparaître cette princesse, était de pouvoir accéder à une certaine puissance, à une certaine célébrité et à un certain rôle dans la tête de quelqu'un. En fait, tant qu'elle était en vie, elle représentait pour quelqu'un un obstacle très important et un obstacle dans la réussite de quelqu'un. Voilà, de nouveau, hein, ça se confirme ici, puisque la carte qui suit et qui s'échappe du jeu est bien la carte du podium
Et donc on voit les personnes qui sont autour, qui pourraient donc jalouser, vu leur attitude, la personne du milieu. Personne du milieu qu'on pourrait... Alors je ne sais pas comment le dire, hein, parce que moi, il n'y a absolument aucun cas de racisme dans ma bouche ou de choses comme ça. Je pense qu'on pourrait identifier quelqu'un du Moyen-Orient ou du Maghreb au milieu, qui serait victorieux et qui dérangerait des personnes autour. Peut-être que Dodi aussi, dans sa position d'homme d'affaires, et de fils et de futur héritier d'une personnalité plus que riche et célèbre, pouvait poser problème. Nous avons ici la carte qui, pour moi, symbolise les souffrances physiques et les souffrances mentales. Nous étions face à... Donc là, le tirage s'adresse bien à des Didi. Nous étions vraiment face à une personne qui était dans un état de souffrance prolongée. Et ça, eh bien, nous le savons, notamment grâce à tous les reportages qui ont été diffusés sur elle, parlant de son anorexie, parlant de dépression, de crise de pleurs. C'est vrai que nous étions face à une personne qui était en souffrance. En souffrance, et j'aimerais poser la question vraiment de... À qui a profité ce crime alors? Nous avons ici la croissance, la vie. Nous avons ici une jeune pousse. Donc le drame aurait pu profiter à quelqu'un d'ambitieux sur les responsabilités que pouvait avoir Lady Di en lui prenant cette énergie vitale ou son rôle éducatif par rapport à ses enfants. Je complète et effectivement, je tombe sur une dame blonde qui observe une personne âgée. Donc personne âgée avec une canne, je ne sais pas si on voit très bien, et qui la regarde avec beaucoup de sévérité. C'est comme si ici on nous présentait une Lady Diana qui n'avait de cesse de se regarder avec sévérité et qui se voyait vieillir, qui se regardait, qui s'observait avec peu d'empathie. Elle était vraiment compliquée, il était vraiment compliqué pour elle de faire preuve d'amour et d'estime de soi. Et pourtant, cette personne était une personne qui méritait cet amour et cette estime de soi. Très bien. Donc, nous avons appris ici que ce phénomène qui s'est produit, malheureusement, n'était pas un accident et était bien quelque chose qui avait été prémédité et commandité. Je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes, comme bien souvent, afin de demander si on peut me communiquer un message que la princesse souhaiterait pouvoir apporter en complément concernant son décès. Cette carte vient de s'extraire, il s'agit des peurs. On peut imaginer que la princesse ait senti ce qui risquait de se produire et qu'elle l'ait si bien ressenti qu'elle en ait été terrorisée. On voit ici le serpent, le poignard. On voit ici des symboles qui sont plutôt... Alors le serpent peut aussi représenter la santé, le caducée, mais ici il est en position d'attaque. Donc est-ce que Lady Diana aurait autre chose à nous faire part par rapport à son accident? Est-ce que vous auriez éventuellement un message qui pourrait nous donner des informations sur ce qui s'est passé ce jour-là? Accident ou pas, et surtout quel était vraiment le motif final. Le motif final qui ressort ici semble être les enfants. On sait que Lady Diana n'avait vraiment pas une manière d'éduquer ses enfants protocolaire par rapport à ce qu'exige la couronne. Elle essayait de faire le moins de distinctions possible entre ses deux fils et de maintenir une très bonne entente entre eux, bien que entre William et Harry, les responsabilités n'étaient déjà pas les mêmes dès l'enfance. Elle a essayé de privilégier une cohésion familiale et ça, c'était très important pour elle, mais ça dérangeait beaucoup aussi au niveau de la reine. Donc, ce qu'ils nous disent ici au niveau des peurs. Donc, je prends le message de l'entité qui est communiqué dans le livret. On nous dit, il n'y a pas que moi qui cherche à te contacter, mais une partie de toi limite la communication.
Je t'invite à comprendre la source de ta peur. J'ai connu la peur pendant mon incarnation. J'ai très souvent eu peur et mon âme est restée très longtemps figée. Donc là, on apprend vraiment qu'il y a eu quelque chose d'émotionnel fort. Hein. Elle essaye de nous délivrer des messages importants. Et elle nous dit que nous avons besoin de découvrir de nouvelles choses. Elle se manifesterait à travers beaucoup de couleurs, à travers des sons. En général, elle nous dit que son âme a but de montrer qu'elle est toujours parmi nous. Elle nous alerte au sujet de la peur en nous disant que la peur n'est pas à fuir, mais que c'est un sentiment positif et qu'il ne faut pas avoir l'impression que tout est danger. Elle aurait dû s'écouter aussi, elle nous annonce qu'elle aurait dû s'écouter. Une relation l'avait cependant vraiment bousculée et elle s'était laissée guider par la peur. Donc on nous invite à travers ce tirage à ne pas refaire la même erreur qu'elle. Et on nous dit que tout est à notre portée, que les peurs sont mauvaises conseillères. Donc il y a un regret par rapport à son âme qui aurait voulu être plus libre et moins soumise à des choses terrifiantes pour elle, à savoir l'ordre, la psychorigidité du protocole, qui était bien trop lourd pour elle à porter compte tenu de ses fragilités. Donc pour la carte des enfants, Lady Diana nous apprend qu'elle est très souvent avec eux et qu'elle souffre beaucoup de la relation entre eux pour le moment. J'ai en tête une image qui me vient de deux petits garçons qui jouent, alors j'ai l'impression que c'est un peu aux policiers et aux voleurs, quelque chose comme ça, avec des jeux en bois. Et elle a tendance à me montrer, je ne sais pas comment vous l'expliquer, que c'était mieux quand c'était pour de faux. Voilà. Donc aujourd'hui, elle souffre de cette situation et elle sait exactement qu'on a voulu, par cette élimination, lui prendre ce rôle et empêcher la cohésion entre ses fils. Donc elle est souvent avec eux et elle se nourrissait beaucoup de leur joie quand ils en avaient, de leur spontanéité, de tout ce qui faisait leur enfant intérieur. Aujourd'hui, elle leur rappelle que malgré tout, malgré son absence, elle est toujours là. Et qu'elle a toujours eu beaucoup de ressentis depuis sa plus tendre enfance, elle aussi. Donc elle n'a pas de mal à communiquer son amour à travers ses énergies. Donc l'entité ici nous dit qu'on lui a enlevé trop tôt son rôle et qu'elle n'a pas pu terminer ce qu'elle aurait pu faire pour être vraiment heureuse. Mais elle n'a pas choisi son incarnation d'âme par hasard et que cette expérience était celle dont elle avait besoin. Donc son rôle a été une énergie de résilience par rapport à cet accident. Elle nous apprend aussi que son enfance a été très compliquée et qu'à cause de ça, elle a eu des problèmes dans son âge adulte et elle présente ses excuses à plusieurs personnes. Son enfance a été compliquée parce qu'il y avait vraiment une sensation d'abandon, de rejet. Elle conseille et elle reste présente auprès de ses enfants pour éviter cette reproduction. Elle précise aussi que nous sommes le miroir de certains souvenirs, mais nous avons aussi la même force intérieure, donc ça, elle s'adresse vraiment à ses fils. Elle leur dit qu'elle a confiance en leurs capacités et également que l'important pour elle est qu'ils restent soudés. Voilà ce que je pouvais vous apporter aujourd'hui comme précision sur le terrible accident qui a coûté la vie à Lady Diana, Dodi Al-Fayed et à leur chauffeur. Le garde du corps a survécu et je crois qu'il n'a jamais vraiment pu révéler plus d'informations au sujet de l'accident. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée.